Bonsoir, bienvenue dans cet à vous, Très heureuse de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55. Pour toute l'actualité de ce lundi 15 mai avec Émilie, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les quatre. Bonsoir, 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 Elisabeth. Elisabeth. Pierre et Bertrand sont en route pour Cannes, mais on vous donnera de leurs nouvelles, ne vous inquiétez pas. Émilie, votre choix de l'actu ce soir Les soignants non vaccinés qui ne sont plus obligés d'être vaccinés contre le Covid pour pouvoir travailler. Cette règle vient d'être levée, donc près de 3000 soignants peuvent réintégrer leur, leur poste s'ils le veulent. Ce qui inquiète beaucoup le médecin urgentiste Mathias Varon. Oui, il est même indigné, Mathias Vargo. Il a publié une tribune la semaine dernière pour dire à quel point il était inquiet. Il sera dans un instant dans notre, sur notre plateau. Il est le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en île de france Mohamed, votre story ce soir Je vous emmène ce soir dans la Somme, à Abbeville, dans un EHPAD Bistro, un Bistro EHPAD. Je vous présente ce que c'est. En tout cas, c'est le premier EHPAD Bistro de France. Je peux vous dire que ces 300 résidents sont très très heureux. <rire> <rire> ben, on imagine et on est heureux pour eux. Patrick, votre édito. Je vous parle de réindustrialisation de la France avec le rendez-vous de Versailles aujourd'hui, rendez-vous annuel euh, désormais, Chose France, c'est le nom trouvé par Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX en vedette. On en parle avec le secrétaire général de la CFDT, en tout cas. Le poste qu'il occupera jusqu'au 21 juin prochain. Laurent Berger, ce soir, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez dire réindustrialisation et choose friends Réindustrialisation, ça va bien, ouais. le reste, je le laisse à Patrick. <laughs> Pourtant, on va vous demander votre réaction sur ce plan d'investissement massif des entrepreneurs étrangers. Et puis, on parle également de votre essai de mépris à la colère. Vos réflexions sur le monde du travail en France, euh, analyse, fruit de 11 années euh, à la tête de la CFDT, donc que vous quittez officiellement le 21 pro juin prochain. Vous avez confié à l'OPS d'ailleurs que vous alliez devoir chercher du travail. Je voulais savoir si vous aviez déjà des pistes. J'ai deux, trois pistes, mais j'ai rien de précis encore. Euh, C'est la vie normale de quelqu'un qui arrête un mandat. Donc euh, oui, je, je dois trouver du travail. Ouais. Bah vous nous en parlez dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5. L'objet de la discorde, l'objet de la polémique ce week-end, ce brassard que des joueurs de football n'ont pas voulu porter à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1 qui marquait le coup, puisque mercredi, c'est la journée mondiale de lutte contre... L'homophobie, on va en parler de la polémique du foot et de la journée de lutte contre l'homophobie avec une soirée spéciale proposée par France 2 demain soir. Nos invités après 20h, Anne Romanoff, la jeune Adé, on s'en souvient, elle était la chanteuse du groupe Thérapie Taxi, elle se lance en solo et puis on est heureux d'ouvrir la table de cet avoué à trois gastronomes le critique François-Régis Gaudry, l'humoriste et comédien Manu Paillet, qui propose avec son copain, notamment le sommelier Guilherme de Serval, un guide des restaurants pas tout à fait comme les autres, c'est classé par envie. Envie d'une pizza On vous donne exactement l'adresse qu'il vous faut, quitte à traverser Paris. C'est le titre de leur guide. Voilà pour le programme. Le dîner est préparé ce soir par Jean-François Bérard, chef étoilé de l'hostellerie Bérard. C'est entre Marseille et Toulon. Un petit village magnifique que je connais pas, mais que j'aimerais bien découvrir. Mmh. Voilà pour le programme. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. 13 milliards d'investissements étrangers. Emmanuel Macron, qui accueillait aujourd'hui à Versailles des grands patrons du monde entier pour ce rendez-vous annuel Choose France. Est-ce qu'il a raison de se réjouir de la réindustrialisation de la France Oui, la dynamique est clairement là après deux décennies d'appauvrissement industriel. Sous les ors du château de Versailles, donc, il, y avait donc, il y avait cet après-midi 206 patrons de multinationales. La moitié venait pour la première fois, dont elon musk, le patron de tesla et de twitter, en vedette musk, qui a eu droit euh, auparavant à un tête-à-tête -tête avec le chef de l'état pour un possible débouché industriel en france. mr. musk, are you going to, you hey. going to announce some investments in france? In i think at some point, but well not today, but at some point. Yeah. i mean, like no, no, there's no announcement today, but um, i'm very impressed with uh, president macron and... Uh,

gouvernement français, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin. En attendant Tesla, l'Elysée se vante cette année de 28 projets d'investissement. Le plus gros a été dévoilé vendredi à Dunkerque. 5,2 milliards pour une grande usine. Aujourd'hui, on dit Gigafactory de batteries électriques construite par le Taïwanais Prologium. Projet qui repose sur une nouvelle technologie qui remplace l'électrolyte liquide par une céramique, ce qui permet d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques et qui devrait aboutir à la création à terme de 3000 emplois à l'horizon 2030. Dunkerque, où le chinois XTC va construire avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d'euros et 1700 emplois. Avec les trois autres programmes existants, cela ferait 20 000 emplois industriels nouveaux autour de Dunkerque dans un bassin qui en a perdu 6 000 en 20 ans. La France est toujours championne d'Europe des investissements étrangers. Alors, c'est ce que dit pour la quatrième fois de suite le baromètre annuel de l'attractivité. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais le cabinet Ersten ne fait que compter les annonces de projets, plus de 1200 en France contre 900 au Royaume-Uni et 800 en Allemagne, sans tenir compte de la taille des investissements et de leur montant. On le voit au nombre d'emplois créés par projet. 33 en moyenne en France contre 58 et 59 en Allemagne et au Royaume-Uni. Le gouvernement, l'exécutif, promeut pourtant son bilan industriel. Avec 300 créations nettes d'usines en France entre 2017 et 2022, c'est ce que répète Emmanuel Macron, et environ 100 000 emplois industriels de plus, soit un regain de 3,5%. Après des années de marasme, on voit que la chute est stoppée, mais il suffit de contempler cette courbe pour mesurer l'ampleur du, du désastre. Depuis 1980, la France a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels. Entre 1995 et 2015, le pays s'est vidé de près de la moitié de ses usines et du tiers de ses emplois industriels. En silence et quasiment dans l'indifférence générale. En silence, vraiment. Oui, c'est ce qu'a montré le, le directeur général de BPI France, Nicolas dufour dans un livre édifiant paru l'an dernier sur cette désindustrialisation. Oui. Durant toutes ces années, la société tout entière, écrit-il, s'est détournée de l'industrie. Personne n'a défendu ces euh, usines, sauf. Euh, évidemment les salariés concernés parce que les usines c'est le monde d'avant c'est sale c'est dangereux ça pollue autant faire ça loin de chez nous parce que certains dirigeants ont lancé l'idée du faiblesse de l'entreprise sans usine en laissant la fabrication aux pays émergents et pas seulement pour des raisons de du travail, la mondialisation n'explique pas tout, il y a des vraies raisons culturelles qui ont animé les élites, les enseignants, parfois les syndicats dans mmh. certaines branches, écrivait Nicolas Dufourc. Aujourd'hui, en tout cas, le résultat c'est que l'industrie allemande compte 7 millions et demi d'emplois contre un peu plus de 2 ,7 millions 7 dans l'industrie française. Il était donc urgent de songer à réindustrialiser la France. Oui, bien sûr, il est urgent. Comme le montre la courbe, on est un peu au fond de la piscine. Maintenant, il faut repousser avec les pieds. c'est Le livre de Nicolas Dufour qui est très intéressant. Il fait parler tout un tas d'acteurs de oui. cette période-là. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est fait pas forcément à bas bruit sur toutes les industries. Il y a aussi des combats syndicaux sur certaines, certains secteurs industriels. Mais comme étant une fatalité, je pense que ça a été très puissant, cette idée d'industrie de, 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 de oui, sans les usine, de laisser partir. Des, des compétences. Moi, je viens d'une région où on a laissé partir le textile, on a laissé partir le cuir, on a laissé partir parfois le, 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 la métallurgie. Et c'était pas juste un mouvement libéral et de droite C'est-à-dire que la gauche aussi, éventuellement, a laissé tomber. Oui, euh, mais je crois que c'est ces une, forme, ouais, un une forme d'abandon. Euh, mais on, on l'a connu aussi dans la formation. Moi, je viens d'une ville où, euh, par exemple, dans le lycée professionnel, ouais. on avait laissé tomber euh, le, le, la formation en métallerie, en soudure, etc. Et puis quand les chantiers de l'Atlantique sont repartis, on s'est dit il y a plus personne pour pour faire ce boulot là donc euh, ouais je crois que c'est un mouvement assez généralisé je, je, qui s'est produit à ce moment-là avec des, des aléas selon les secteurs quand même et ça repart tant mieux moi je me réjouis s'il y a des de nouveaux bravo Emmanuel Macron là c'est bien là choose France d'accueillir autant d'investisseurs. bien sûr il faut il faut vérifier si ça se produit dans les faits il a, faut euh, regarder les bilans il regarder après, les après, bilans il y, y a des déceptions souvent bah, ce genre ouais, d'annonce je, je, je discutais tout à l'heure avec les, 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 les militants CNT de Nokia Nokia a fait des annonces notamment à à l'Agnon et sur le site en région parisienne. Bon, euh, la ils l'avaient fait, ça fait deux fois trois fois, je crois, qu'ils le font. Et à chaque fois, ça ne s'est pas forcément mesuré dans les faits. Donc, il faut mesurer dans les faits. Mais faire un procès d'intention en amont, ça ne sert ouais. à rien. On verra, il faut mesurer si ça produit des résultats donc, ou pas. On imagine que vous souhaitez la bienvenue à tous ces entrepreneurs étrangers. Est-ce qu'ils arrivent dans un pays où les salariés sont heureux au travail Pas toujours, non. Euh, pas toujours. Euh, je crois surtout qu'ils arrivent dans un pays qui n'arrive plus à penser le travail qu'il le pensent, qu le, 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 le travail est pris en étau, le sujet de travail est pris en étau entre deux visions caricaturales. La première qui consisterait à dire que le travail est seulement une donnée productive et pas une action de réalisation, d'autonomie, d'émancipation. Et de l'autre côté, une vision misérabiliste du travail, où ça en gros, bouche, on te préférait te te la temps. paresse. Ou, oui, euh, si c'était aussi simple que ça, ça se serait. Oui, oui. mais, euh, mais en tout cas, on a, on a du mal à penser le travail dans sa, dans sa, dans sa réalité sociale, dans sa réalité d'émancipation, dans, dans, dans ce besoin d'expression qui est celui des, des travailleurs et des travailleuses sur la façon sur l'acte qu'ils produisent pour produire un bien ou un service donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu remettre oui, un remettre en lumière c'est ce oui, je pense que il euh, y, y, y a un impensé euh, public et particulièrement politique sur le travail il y a un certain nombre de propositions à faire qui ne sont pas forcément coûteuses, notamment en termes de gouvernance d'entreprise, mais aussi d'écoute des salariés sur la façon dont ils travaillent. Et ce sont, moi, je, je dis souvent, ce sont les meilleurs experts du travail, et bien souvent, dans certains secteurs, on ne les écoute pas. Donc, y compris, on, on perd de la compétence en euh, ne les écoutant pas. Il y a un problème de reconnaissance, il y a un problème de sens, mais de reconnaissance surtout. La reconnaissance, elle passe évidemment par le salaire, elle passe par de bonnes conditions de travail, elle passe par la reconnaissance des compétences acquises. On est dans un pays qui n'est pas très bon là-dessus, qui est même assez mauvais. Euh, et on le voit d'ailleurs dans les grilles salariales. Aujourd'hui, on a 151 branches sur 171 qui ont des, des minima qui démarrent en dessous le SMIC, dont certains ont 8, mini, 8, 8 échelons en dessous du SMIC. C'est-à-dire que vous travaillez dans un secteur professionnel, vous faites preuve de compétences, évidemment, vous développez les compétences, et au bout de 8 ans, vous êtes toujours au SMIC. Ben ça, c'est un problème de reconnaissance et de pas de désintérêt du travail. Enfin, je pense que cette vision que les gens n'aimeraient pas leur travail, n'aimeraient pas le travail, est une vision... Non, mais on ne met pas en valeur leur compétence. Mais on ne en... les reconnaît pas. Ça, c'est beaucoup exprimé, pardon, le... ces dernières semaines et à l'occasion de... du mouvement contre les retraites sur... La désaffection des Français en général pour euh, le travail. Et pour, euh, ne serait-ce que l'expression fustigée d'ailleurs par Emmanuel Macron ce matin dans son euh, interview. À l'opinion. À l'opinion sur. Euh, euh, la vie sacrifiée. Euh, de, de, de deux ans de vie sacrifiée. Vous m'avez jamais entendu parler de deux ans de vie sacrifiée. Moi je ne considère pas. Oui, ouais. mais on l'a beaucoup entendu. Hein. On l'a beaucoup entendu, mais pas tant que ça. Moi, dans les cortèges chez FDT que j'ai remontés, c'est là où je suis le mieux accueilli, euh, j'ai beaucoup entendu on veut être connu. j'ai beaucoup entendu d'attachement au travail. Mais j'ai beaucoup entendu aussi le fait qu'on voudrait écouter quelles sont nos conditions de travail réelles, la façon dont on l'exerce, etc. Et donc je, je, moi, je ne crois pas du tout que le travail soit une forme de sacrifice. Mais au travail, dans l'enquête qu'on a réalisée, qui s'appelait Parlons Travail, on, dont je parle dans les livres, on illustre bien que les Français, sont, les citoyens, sont très attachés à leur travail. Mais pour une part, le travail, il, bah, il, il a un impact physique pour 40% d'entre mmh. eux encore. Hein. Il a un impact psychique. Il y a 700 000 accidents du travail aujourd'hui encore dans notre pays, ce qui est quand même énorme au regard par exemple des 70 000 blessés sur la route. Euh, et donc ça mérite qu'on s'y penche, non pas en ayant ni une vision misérabiliste, ni une vision c'est marche ou crève, mais en disant ben, c'est quoi les vecteurs d'amélioration du travail Et moi je crois que si on améliore la vie au travail de, 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 des citoyens, on améliore la démocratie, on, on, on rend la démocratie plus apaisée d'une certaine manière, parce que quand on sort du travail... Et qu'on a été respecté, qu'on a été reconnu, qu'on a pu se réaliser, même si on sort fatigué, on est mieux que si on a eu le sentiment d'être nié. Le président de la République qui reçoit 200 patrons dans le symbole de la monarchie absolue, le château de Versailles, alors qu'il refuse de recevoir les syndicats, voilà ce qu'on pouvait entendre aux abords du sommet, dans les rangs des 200 et quelques manifestants de la CGT. Euh, vous comprenez leur colère Ça participe du mépris qu'exprime, selon vous, hein, vous le dites bien dans ce livre, euh, qu'exprime Emmanuel Macron à l'égard des organisations syndicales Moi, je ne veux pas mettre. Euh, je crois pas que la vie euh, politique, sociale, ce soit une grande marmite où on met tout et on mélange et ça mmh. fait un grand tout. Je. je... Je crois que sur, le, sur les retraites, il y a eu un grand mépris de ce qui s'est exprimé dans la mobilisation. Euh, je ne confonds pas avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Je crois qu'il y a une nécessité d'investissement étranger. Le mépris s'est pour... manifesté comment Il s'est manifesté d'abord parce qu'on n'a pas parlé du travail. On a d'abord parlé d'une un, réalité budgétaire qui était le fait de combler le, 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 trou, le trou, le déficit à peu près de 12, 12 milliards par an des retraites, qui n'était pas un sujet tabou pour la CFDT. Mais au lieu de parler des, des conditions de travail, des seniors, de la façon dont on pouvait distinguer selon les catégories professionnelles, on a, on a fait cette mesure brutale et injuste qui touche plutôt les travailleurs justement intermédiaires, en laissant de côté un certain nombre d'entre eux qui n'étaient pas concernés. Et puis après, il y a eu du mépris. Euh, qui s'est manifesté euh, en n'écoutant pas les, les, les millions de manifestants. Il mm. y, y, y a une courbe qui vient de sortir ces jours-ci, des, des histogrammes qui montrent que c'est le plus grand mouvement en termes de nombre de manifestants depuis 1968. Mm. Parce que... Donc il y, y a une forme de mépris, il y a une mépris parce que, mépris parce que... Conteste, euh, ce matin. Oui, mais chiffres à l'appui, y compris les chiffres de la police, c'est euh, ce, ce que montre ce que montre quand on regarde un peu en arrière. Il y a eu un mépris parce que les organisations syndicales, évidemment, n'ont pas été reçues. Et puis surtout après, je crois qu'il y a eu une procédure parlementaire qui a été camoté et moi c'est le moment où j'ai senti qu'on passait d'un sentiment de, de, de contestation, de, de, de sentiment de mépris à un sentiment de colère, c'est-à-dire en disant bon, attendez, au bout d'un moment, moi je crois que dans, une, dans un pays démocratique ça peut passer, la décision, elle peut passer par le compromis, il n'y a pas eu de compromis social ou le fait majoritaire, c'est le rôle de l'Assemblée Nationale, et sur ce texte en tant que tel, je sais bien qu'il y a eu une motion de censure mais sur ce texte en tant que tel, il n'y a eu ni compromis social, avec les organisations syndicales et patronales, il ni possible, le fait majoritaire. Il était possible. Le oui. sentiment qu'on a dans oui, les syndicats, c'est que. C'était bloqué, ouais. mais vous cherchez la capitulation du gouvernement non, et pas un cherche... compromis. Mais, on mais on mais retrait, combien de fois j'ai proposé une pause, une voie de sortie, euh, de reposer les choses euh, pour parler euh, du travail et euh, du financement du système Je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a une volonté de poursuivre la route de la, de, de la route de la procédure parlementaire et ça, ça a été pris, je crois, et ça crée aujourd'hui très mal et ça crée un vrai ressentiment dans le monde du travail. Mépris, orgueil, incapacité, hein. c'est comme ça que vous parlez d'Emmanuel Macron. En faisant... Non, je ne parle pas de, en général. Pourquoi... Je parle de la réforme de oui, 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 des retraites. Bah, ouais. Il a fait preuve d'orgueil, voire d'incapacité. Enfin, il y a un point d'interrogation. C'est pas moi qui le dis. il le dit encore ce matin. Ouais. Bon. Bon. Du mépris à la colère, cet essai, vous allez l'offrir à Elisabeth Borne demain. Vous la rencontrez à 19h30. Eh ben, J'y avais pas pensé, mais vous me donnez l'idée. Ouais. Ah. Ben vous, et ben vous avez d'ici tout à l'heure pour faire la dédicace. Comme ça, vous avez l'exemplaire le, euh, pris. Ah, ben si, vous avez jusqu'à tout à l'heure, c'est votre défi pour imaginer la dédicace Émilie. Ça s'appelle la pièche, alors Le compromis social, c'est peut-être pour demain, puisque les cinq leaders syndicaux, dont vous, sont reçus à Matignon. On sait déjà ce que Sophie Binet, la nouvelle leader de la CGT, va dire à Elisabeth Borne. Elle ne va pas offrir le livre, mais voilà ce qu'elle va lui dire c'est ce qu'elle a dit sur RTL. Ce que je vais dire à la première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance, elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page, tout simplement parce que cette réforme, elle consiste à nous voler deux ans de vie et qu'en plus le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée. La défiance restera extrêmement profonde et ce à tous les niveaux. Une défiance avec les organisations syndicales et toutes, toutes l'ont dit, chacune à leur manière, et une défiance avec euh, les salariés, la population euh, du pays. Donc on est quand même sur cette notion de deux ans de vie sacrifiés quand on écoute Sophie Binet. Vous êtes d'accord Il n'y a pas de retour à la normale possible D'abord, euh, on a agi ensemble, on continuera de le faire à chaque fois que nécessaire, mais on n'a pas le même vocabulaire et la même perception, mmh. surtout. Moi, je ne parle pas de deux ans de vie volés. Je ne crois pas, aujourd'hui, on est tous en situation de travail, je ne crois pas qu'on est en train de, de... Et même dans les situations, vous savez que la CVDT est l'organisation où il y a le plus de travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne. Ils n'expriment pas de misérabilisme sur leur travail, simplement une, une volonté de reconnaissance. Donc je ne parlerai pas de deux ans de vie volée. C'est deux ans de travail en plus, donc pour certains d'entre eux, dans des conditions pénibles et difficiles, alors qu'ils ont commencé à travailler jeunes. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas juste. Euh, sur et le Après, possible, pas de retour là, là, normal, possible, ouais. ça va créer durablement une forme de ressentiment. Moi, je ne sais pas ce que c'est la normale, en fait, en vrai. Mais ça va créer un ressentiment. Et moi, ce que j'ai dit et ce que je dirai demain à la Première ministre, au-delà de, de la faut On attend avec impatience. Ouais. Eh bien, ce que je vais dire, c'est qu'il y a un profond ressentiment dans le monde du travail une volonté de mépris. Une, enfin, un sentiment de mépris qui mmh. s'est exprimé. Et vous devez le réparer en faisant en sorte que sur les conditions de travail, sur les salaires, mmh. sur le dialogue social, sur euh, la, les compétences, la reconnaissance des compétences, il y ait de vraies avancées qui soient palpables et mesurables par les travailleurs et les travailleuses. C'est ça qu'il faut obtenir aujourd'hui, des avancées concrètes. Et ça ne pourra pas être des mesurettes. Euh, technocratiques sur lesquelles on ne comprendrait rien et qui finalement ne changeraient pas la vie des, des, des travailleurs et travailleuses. Le 6 juin prochain aura lieu la 14e journée mondiale de mobilisation, euh, journée nationale. Mondiale, mondiale. Oui papa, mondiale. <laughs> journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites histoire de soutenir à l'examen la proposition de loi du groupe Lyot qui veut abroger cette loi avec des, gens, des chances quasi nulles d'aboutir. L'Assemblée nationale peut la voter mais le Sénat majoritairement à droite et favorable aux 64 ans ne euh, le fera pas. Ce sera donc votre dernière manifestation en tête de cortège, mais pour un combat perdu d'avance, Laurent Berger. Non, d'abord, je suppose sais pas ce sera la dernière, mais en ah tout ouais. cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce sera la première fois, avec cette proposition de loi du groupe Lyot, que l'Assemblée nationale, la représentation peut du voter. peuple, peut voter sur le report de 62 à 64 ans. Mmh. Ce sera la première fois. Lors de l'examen de l'article 7, il n'y a pas eu cette possibilité de vote. On a été plusieurs, avec Philippe Martinez, notamment à l'époque, à dire il fallait un vote. Il n'y a pas eu de vote et ce n'était pas de la, forcément de la seule responsabilité, on l'a dit à l'époque, euh, oui. du groupe majoritaire ou du gouvernement. Le vote de la motion de censure pouvait non. faire office 2 Non, parce que ce n'est pas la même chose. Parce que si ça faisait office 2, dans ce cas, il fallait aller au vote. Il fallait aller au vote ce fameux jeudi. Pour voir s'il y en avait en une majorité. Et la, la motion de censure est dans nos textes constitutionnels, est un, est un vote pour savoir si on vote la censure ou pas. Et on peut très bien être un député considérer qu'il ne faut pas passer de 62 à 64 ans, mais considérer aussi qu'on ne veut pas voter la motion de censure de tel ou tel, de ce gouvernement parce qu'on voulait pas le faire tomber. Donc Et il y, donc, y aura un vote à l'Assemblée nationale. S'il y a un vote, mais s'il y a un vote à l'Assemblée nationale, vous avez raison de souligner parce qu'il ne faut pas mentir aux gens euh, que ça ne fera pas abrogation des, des 64 ans, mais ce sera la première fois que l'Assemblée nationale votera sur l'allongement le, à 64 Donc ans. Et, sera, et à ce moment-là... Par défaut, quoi. Non, non, à ce moment-là, il faut aussi en appeler à la responsabilité. Enfin, on ne peut pas quand même considérer que dans notre pays, l'Assemblée nationale est, est un fait, et le vote de l'Assemblée nationale est un fait anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. C'est un vote, qu vote qu'on ne pourra pas ignorer. C'est un vote que l'exécutif ne pourra pas ignorer. Il faudra, quoi, geler euh, oui, l'application la La, de la, la proposition du groupe Piot, elle est très claire. Non, retour à, enfin, la non-extension à 64 ans et donc le, le 62 ans et une conférence de financement. Avec des propositions des uns et des autres, la recherche d'un compromis possible sur euh, le, le, le déficit des systèmes des retraites. C'est exactement ce que pense la CFDT. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille au débat le 8 euh, sur ce sujet-là. Et on verra si. Euh, parce qu'on entend ces heures-ci que euh, ça, ça pourrait être empêché par un article 40 ou je ne sais quoi. Moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'il faut aller euh, à l'examen de cette PPL. Marine Le Pen est un danger pour les euh, travailleurs, c'est ce que vous écrivez dans, dans votre livre. Vous y allez, elle n'a aucune perception des réalités du travail. Elle est antisyndicaliste, elle se contrefiche des droits des femmes, même si euh, elle prétend le contraire. C'est un extrait qui a été lu ce matin à Jordan Bardella, qui a réagi sur France Inter. C'est peut-être ça qui dérange Monsieur Berger, c'est que le premier parti ouvrier de France. Et le premier parti politique pour lequel votent euh, les salariés, c'est le Rassemblement national. Euh, et, et pour une raison très simple, c'est que nous, nous défendons la valeur-travail. C'est que nous, nous protégeons la valeur-travail. Et, et j'aimerais rappeler que euh, nous n'avons, nous, contrairement aux syndicats, aucune responsabilité dans l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que c'est bien beau d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour ensuite venir euh, s'opposer à la réforme des retraites. Ça pose un vrai problème, je trouve, de crédibilité et de responsabilité de la parole des syndicats. Le Rassemblement national, c'est le premier parti ouvrier de France non, le Rassemblement National, c'est le parti pour lequel les ouvriers votent le plus en France. Et sans doute parce que, je le dis dans le livre, d'autres partis politiques n'ont pas pensé le travail. Ce sont des partis politiques, euh, notamment de gauche, ont considéré que les ouvriers, les employés, ce n'était pas pour eux euh, la politique euh, dans, leur, dans leur parti. Euh, et ça depuis longtemps, je l'explique. Euh, et donc euh, je, je pense que le, le Rassemblement National euh, prospère sur le ressentiment social. Et il y a toute une partie de la population salariée qui, aujourd'hui, a le sentiment qu'on ne les écoute plus, qu'il qu qu n'y a plus de progression possible, euh, qu'il n'y a plus de reconnaissance possible, avec des problèmes de salaire, avec des problèmes de conditions de travail, etc. Et donc, le Rassemblement national, je persiste et signe, il n'est pas un danger seulement pour les travailleurs, il est un danger pour la société. Donc, que ça qu plaise ou pas, Monsieur Bardella, s'il y avait de nouveau une élection demain, je le dis, j'appellerai de nouveau à faire que Mme Le Pen ne soit pas élue. Euh, mais ceci étant, si on veut lutter contre le Rassemblement national, c'est maintenant, ce n'est pas en 2027. Mmh. C'est en agissant contre le ressentiment social, sur les bases du ressentiment social, les causes, les causes du ressentiment social, en améliorant les situations des salariés, en leur permettant de pouvoir s'exprimer sur leur travail, d'avoir une juste reconnaissance du travail fourni. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et ça — On argument, rien d'eux. J'attends rien d'eux. — son, son, son argument, là, vous pensez pas qu'il porte auprès d'une partie des, des électeurs ?— Vous à avez à faire barrage à Marine Le Pen. Donc vous avez contribué oui. à l'élection et à la réélection d'Emmanuel Macron. Donc vous n'êtes pas en mesure de vous plaindre de, des mesures... — Non, c'est pas, qui pas qui vrai, répondent. parce qu'à l'époque... On l'a fait d'ailleurs avec, collectivement avec d'autres. Et notamment, on l'a fait avec Philippe Martinez. Euh, on a expliqué que euh, au delà de, Ça valait pas validation du programme de M. Macron. Mais pour moi, pour nous encore, le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres aujourd'hui. Parti... Bien sûr, encore aujourd'hui, il faudra le dire. Ça ne suffit pas de le dire sur le terrain des valeurs, il faut le dire aussi pour lutter contre les causes qui font prospérer le Rassemblement national. On, sait, on les connaît les deux causes principales une défiance dans les institutions euh, généralisée, et un ressentiment social, parce que, inégalité sociale, parce que non reconnaissance, non écoute des réalités vécues, il faut agir contre ça, contre ces deux fondement du rassemblement national pour éviter la catastrophe dans des années à venir. Concrètement dans le quotidien des salariés français vous faites des propositions euh, par exemple le rôle du manager exemple très concret: un manager euh, un chef qui passe sans dire bonjour sans regarder un salarié euh, juste pour vérifier le travail est un mauvais chef et contribue euh, euh, au mal-être au travail. Moi, je crois, vous savez qu'il est très important de regarder les gens dans les yeux et très important de les connaître. J'ai de visité, visité des centaines, peut-être des milliers de lieux de travail depuis 11 ans, parce qu'une fois par semaine, à minima, je vais dans un lieu de travail, une administration, une usine, un, un, des bureaux, etc., pour rencontrer les salariés. Je l'ai souvent fait avec des, des managers, des chefs, et j'ai vu. J'ai vu celui ou celle qui est capable de, de savoir d'abord ce que fait la personne qu'on a en face. C'est fondamental. Celui-là, oui, mais celui ou celle qui est capable de connaître son prénom, qui est capable enfants, de savoir peut-être si euh, il a eu un ou deux problèmes euh, parce qu'il y a un petit qui était malade ou je ne sais quoi. Ouais, c'est fondamental. C'est être connu, c'est tout simple hein, d'être connu. C'est savoir qui vous êtes. C'est que l'autre en enfin, face ça, et ça, moi, c'est vrai. Et j'ai vu aussi ceux qui passaient, qui disaient à peine bonjour et qui m'expliquaient ce qui se réalisait comme tâche, mais qui ne me parlait pas de celui ou celle qui réalisait la tâche. Eh bien, c'est ça. Je crois qu'il faut qu'on fasse évoluer dans notre pays. Ça se passe différemment en Europe. Je suis le président de la CES et de la Confédération européenne des de syndicats et je vois bien ça que ça, ça se passe différemment. Ça. Dans certains pays, ça va mieux le faire, cette reconnaissance et ce rôle du management. Et encore une fois, ça met aussi des managers en souffrance. Hein. Parce que qu'on euh, a considéré le management euh, trop souvent et les managers dans notre, dans notre pays comme ceux qui devraient qui devaient faire passer la, la, contrainte, la contrainte exercée par une direction directement sur les salariés. Et certains font le tampon. Euh, et essayent de résister, etc. Et d'autres, euh, ben, malheureusement, sont, sous, sont pris euh, dans cette pression-là. Et on oublie les, les femmes et les hommes qui sont derrière euh, les travailleurs. Et puis, au burn-out de certains salariés, vous ajoutez le bore-out, c'est-à-dire un ennui épuisant au travail. Vous vous êtes ennuyé en osant en à la CFDT Ah non, malheureusement non. <laughs> Des fois, j'aurais presque préféré. Mais, mais ça, c'est un réel danger. Pour conclure Non, c'est un réel danger. C'est s'ennuyer au travail, avoir le sentiment. C'est aussi une absence de reconnaissance, d'avoir le sentiment d'être inutile. Vous savez, on, on cherche quoi au travail On cherche à se réaliser. On est là pour. On sait, on est dans un lien de subordination, mais on sert aussi à être utile. On, on veut être utile. Et être utile, c'est fondamental. Et donc, euh, lorsqu'on ne nous donne rien à faire ou on s'ennuie, ben, on souffre. Je vais vous donner du travail. Il y a la dédicace à Elisabeth Borne à rédiger. Ça a l'air d'une corvée. Hein. Sur la page de garde non, du mépris non, 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 à corvée. la colère. Il est pas, elle l'aura en exclusivité puisqu'il n'est pas encore en librairie. Il ne sort que le 19 mai aux éditions du Seuil. Vous restez avec nous. On a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment ce décret paru hier au Journal officiel. Après un an et huit mois de suspension, les quelques milliers de soignants, 3000, 000, Émilie, euh, non vaccinés, sont autorisés à réintégrer l'hôpital. Un choix expliqué ce matin par le ministre de la Santé, François Brown. Cette réintégration des soignants, elle repose sur des éléments scientifiques et des éléments éthiques. Et d'un point de vue éthique, effectivement, il faut que chaque soignant s'interroge à titre personnel. Qu'est-ce que vous feriez vous, si vous aviez, si le, la personne qui vous accueillait à l'hôpital, par exemple, et vous s'occupait de vous, était anti-vax Je serais interrogatif et, et inquiet d'une personne anti-vax, alors qu'on sait que la vaccination sauve des vies. Et pour moi, l'éthique du soignant, c'est de se protéger pour protéger les patients qu'il prend. Bonsoir Mathias Vargon, médecin urgentiste, chef des urgences et du Smur de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. En Saint-Denis, on vient d'entendre le ministre de la Santé expliquer qu'il serait inquiet de savoir un soignant non vacciné le prendre en charge à l'hôpital. Et pourtant, on les autorise à reprendre le travail. Ce qui vous inquiète, c'est que certains de ces soignants ne sont pas juste des individus inquiets d'un vaccin en particulier, mais que ce sont des militants. Pour un noyau d'entre eux et que c'est ça le problème en réalité Non, c'est pas ça. Enfin, moi je pense pas que ce soit ça oui, le problème. Il y en a très Non, c'est pas ça. Il y en a très peu en fait. Moi j'ai demandé à mon hôpital combien il y en avait. On est 2200. Il y a 2200 soignants administratifs et environ 400-500 médecins. Il y a 4 personnes qui, vont, qui sont concernées. 4 dont ont un été administratif, depuis ouais. plus un an, là, deux infirmières, donc... une aide-soignante ou une infirmière, deux aides-soignantes et un administratif donc c'est très peu et c'est quand on regarde c'est très peu moi ce qui m'inquiète c'est le message envoyé et par françois braun lorsqu'il suspend cette obligation vaccinale c'est pas tellement la suspension de l'obligation vaccinale c'est le fait qu'on réintègre des gens et c'est pas tout le monde nous dit c'est aujourd'hui euh, au micro peut-être on parle de ce qui s'est passé il y a deux ans en fait la question c'est pas aujourd'hui c'est il y a deux ans tous ces gens là ont dit non on veut pas certains parce qu'ils avaient de bonnes raisons personnelles, d'autres parce qu'ils s'étaient tombés un peu dans la dinguerie, mais c'est ces gens-là. Et ce qui m'inquiète, c'est le message qu'envoie le gouvernement en prenant prétexte de la HAS, parce que quand on relit l'avis HAS, ce que j'ai fait, ils disent ⁇ Ah oui, cet avis, il n'est pas complet s'il n'y a pas celui du comité consultatif national d'éthique oh, ⁇ Or je sais pas, moi, j'en ai pas entendu parler de cet avis. Et puis, euh, et puis, il y a les partis politiques de l'opposition qui en ont remis une couche avec la. Alors, plus la suspension, avec la levée de l'obligation vaccinale, et le tout avec la réintégration encore des soignants. Donc, c'est là la, la, la problématique. Et puis, pour ce qui est des soignants, il y en a peut-être quelques-uns qui vont venir sans problème parce qu'ils ont eu peur, ils sont suspendus, ils sont entrés dans quelque chose. Voilà. Et puis, d'autres, comme dans l'interview de Libé ce matin, il y a une infirmière qui dit Ah ouais, et puis on va en parler des antibiotiques. Non, mais on est où là c'est ce dont je parlais, du noyau de, de oui, militants. Plus est... difficile va être la réintégration de ouais. ceux qui ont milité contre les vaccins. Voilà, ils ne sont ça. pas nombreux, apparemment. Ils sont très peu D'après les études, il a, y a noyau, des, des, des chercheurs locaux. qui se sont penchés là-dessus. Ils sont très peu nombreux. Les, ouais. les militants, militants. Il y a quelques dingos qui étaient, ces... qui, qui étaient là-dedans, qui croient à tout ce a, tout ce que ça a généré. Mais comment est-ce qu'ils vont être accueillis à l'hôpital Mais je pense, en fait, c'est du cas par cas. C'est pas. Une masse de soignants qui vont arriver. C'est un soignant par service, et encore même pas par service. Dans un service, bah ça sera du cas par cas. Il y a des gens qui sont sympas et qui les accueilleront, puis eux-mêmes seront peut-être sympas <laughs> et puis la mettront peut-être en veilleuse là-dessus. Puis il y aura peut-être des grands militants. Et des grands militants, bah on va voir ce que ça donne. Après, c'est essentiellement quand même des infirmières, des aides-soignantes. Alors, les infirmières, elles, elles font les prescriptions des médecins, et là, ça risque de poser un problème. Les aides-soignantes, moins. Elles s'occupent du bien-être des patients. Donc, ça risque d'être un peu différent. Leur impact ne sera pas. Mais des gens qui croient à l'homéopathie ou à d'autres conneries à l'hôpital, on en a hein, déjà. Donc, ah oui. on, voilà, on, ça sera dilué. Euh... Ah oui. Comme, oui, comme les, comme les granules, diluées comme les granules. Voilà, c'est ça. Non, mais ce n'est pas ça. le, problème, le principe, quoi. Le problème, Non, ce pas le principe. Ah bon, c'est bah le alors, message politique fou. envoyé par le gouvernement et encore plus par les partis d'opposition en disant « Ok, basta l'obligation vaccinale. »« Basta l'obligation vaccinale », ça veut dire que la prochaine campagne de vaccination contre la grippe, déjà que les vaccins... Les soignants sont, peu sont, sont assez pas. peu vaccinés. C'est pas la peine d'en remettre une couche, hein, puisqu'on leur dira de toute façon c'est pas grave. Et encore une fois, c'est ceux qui ne se sont pas fait vacciner il y a deux ans. Là, on a tous les anti-vax qui reviennent. Donc c'est la grande victoire de Filippo et Dupont-aignan, hein, quand même. Hein. Il faut le dire, tout le monde a voté Dupont-aignan et Filippo. La dernière fois, il y avait juste un petit chat qu'il avait battu. Oui, oui. Et là, maintenant, c'est un mot d'ordre de LFI aussi. Hein. Oui, a, bah LFI est les les a voté. s'est rangé derrière Filippo, qui depuis trois ans a fait son beurre avec ça. C'est les insoumis et c'est le FN, c'est les deux en même temps. Le Rassemblement National. Donc on est sur du populisme pur et dur, sauf que là ce coup-ci les élites, c'est pas les c'est pas les, c'est pas Bill Gates, c'est pas les politiques, ce sont les médecins. C'est le peuple contre les médecins. Et donc on fait un sondage et tout le monde est pour la réintégration des soignants, sauf que quand on demande aux soignants eux-mêmes et aux médecins notamment, alors ok c'est de la bourgeoisie, mais bah les, les médecins ils sont contre en fait. Et les patients, quand on interroge les patients fragiles, ceux qui ont à craindre, les greffés par exemple. En contact bah on ils ont non. un peu les jetons aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Et puis ces soignants ont dit oui, mais on ne pouvait pas les laisser dans cette situation-là. Mais d'abord, un, peut-être qu'on aurait pu trouver une solution hein, en deux ans, peut-être. Et peut-être que les politiques qui ont voté pour la fin de l'obligation vaccinale auraient peut-être... Et les syndicalistes aussi auraient peut-être pu négocier avec le gouvernement pour trouver une solution et pas laisser les gens suspendus. Après, est-ce qu'ils ont tous vécu du RSA Il y en a une partie. Alors ça, j'en sais rien, mais on dit qu'il y a une partie qui était en arrêt maladie depuis deux ans, ah. et une autre partie qui a peut-être fait autre chose. Oui, ouais. ouais, c'est ce qu'on dit. Mais et comment on peut être en arrêt maladie tout en étant suspendu C'est possible ça ah bah, Je pense, alors ça j'en sais rien, moi on je ne suis pas... il y a des précisions justement bah, sur bien. ce qui s'est passé justement pendant les deux années par les, les soignants d'accès. Il suffit de se, y en se y faire y arrêter y y avant d'être suspendu. Il y en a qui réclament des réparations. Aujourd'hui, c'est le cas d'une agente administrative à l'hôpital de Montalimar Elzarruyère, qui est par ailleurs une élue de la CGT Santé. Elle avait refusé de se vacciner contre le Covid. Suspendue, elle dit qu'elle a travaillé, elle, pendant six mois en CDD dans une entreprise prise privée pour subvenir à ses besoins, mais donc elle réclame une compensation financière. Pour ma part, un bas salaire en tant qu'administratif, ça fait à peu près 19 000 euros les 12 mois. Là, je vous, je vous parle sans préjudice moral, hein, simplement le préjudice financier pour qu'on rétablisse nos salaires comme ils auraient dû être. Hein. Il va falloir qu'on répare ce préjudice financier, moral et sur les trimestres de retraite, oui, bien sûr. Donc, elle a fait le compte, 19 000 euros minimum pour les 12 mois où elle n'a pas pu travailler, sans donc compter le préjudice moral, sans compter les trimestres pour la retraite. Vous comprenez cette démarche Attendez, il y a deux choses. Il y a les soignants. Cette dame-là n'est pas une soignante. Non, elle est agent administratif. Donc, elle n'avait aucun problème pour se dire ok, je peux plus travailler à l'hôpital, je vais chercher un autre job. Donc là, on est vraiment dans ceux qui se sont mis dans cette situation. Ce sont des militants. C'est pour retourner à l'hôpital. Elle, n'a elle pas besoin de l'hôpital pour vivre. Un soignant, une infirmière, par exemple, si elle, a elle, elle aurait besoin de se reconvertir. Un administratif, il n'a pas besoin. Donc là, on est vraiment dans la situation de quelqu'un qui est là pour militer. Donc, elle est militante CGT, je ne crois pas que la CGT ait appelé à ça. Alors, là aussi, hein, on a eu un souci, c'est que le PC et le PS étaient pour l'obligation vaccinale. Et là, d'un seul coup, ils sont contre maintenant. Contre, et on ne parle pas de, du vulgus PECOM, excusez-moi, mais on parle des soignants, encore une fois. On peut dire, oui, on ne veut plus vacciner les gens, ok, on ne parle même pas de ça, on parle des soignants, et l'HS en a profité en même temps que le Covid. La haute pour... autorité de santé. Oui, la haute autorité de santé, pardon, pardon euh, en a profité en même temps que le, que le Covid, de dire, bah oui, puis pour le DTP, là que tout le monde connaît, hein, diphtérie, tétanos, polio, dire, bah, finalement, ça non plus, ce n'est pas très obligatoire, mais on va recommander fortement. Enfin, Il y a un moment, euh, il faut... Non, mais c'est qu'il y a une pénurie de soignants aussi, on a besoin de la Une rentrer. pénurie de soignants. Donc moi, chez moi, il y en a 2600 Vous hein, dites soignants. Ont... Il y en a 3 qui vont revenir Vous dites qu'ils n'ont pas manqué à l'hôpital, ces oh. soignants-là. Mais, mais pas, on a une masse de gens qui manquent à l'hôpital. Ce n'est pas 3 personnes sur 2600 qui vont manquer à l'hôpital. C'est plus aux Antilles, hein, mais bon. Oui, et pas tant que ça, finalement, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas aussi énorme que ce qu'on pensait au départ, mais ils n'ont pas manqué à l'hôpital. et. L'interview de ce matin dans l'IB de cette infirmière qui dit euh, les antibiotiques, euh, ça ne va pas être automatique, je résume, bah, je suis désolé, elle ne manque pas à l'hôpital. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à négocier, quand je fais une prescription, mmh. avec ce que j'ai appris, avec ce que je lis, avec ce que j'apprends au quotidien, de négocier avec quelqu'un. On peut discuter de l'indication des antibiotiques, mais quelqu'un qui va me dire les antibiotiques, il ne faut pas en mettre, ça ne marche pas. Bon, il faut s'arrêter, quoi. C'est que c'est quelqu'un qui ne travaille plus dans le même... Euh, ordre d'idées que moi et d'ailleurs elle disait qu'elle allait être naturopathe et tout ça donc voilà après euh, la population française est pour les partis politiques sont pour le gouvernement est pour réintégrons ces soignants vous êtes et désabusé là quasiment là mais, ma évidemment que je suis désabusé enfin en fait mais encore une fois hein, ça sera du cas par cas avec je suis sûr qu'il y a des tas de gens ouais. avec qui ça posera pas de problème et puis pour les autres encore une fois hein, on n'est pas tous parfaits à l'hôpital ceux-là seront sont pas parfaits, mais c'est que dalle par rapport aux besoins de soignants. Ce dont on a besoin à l'hôpital, c'est pas de gens qui délirent. Ce dont on a besoin à l'hôpital, c'est d'avoir. Et là, j'ai un syndicaliste à côté de moi, une bonne qualité de vie au travail, des bonnes conditions mmh. de travail, et que les soignants, et notamment le personnel paramédical, aient de bons salaires. Et dans ces cas-là, on aura peut-être moins de problèmes pour les embaucher. Mmh. Un mot pour commenter cette situation, Laurent Berger. La CDT, elle était pour l'obligation vaccinale. Moi, je crois que la pente qui est prise là, elle est dangereuse parce que ça peut aller au-delà du Covid, comme ça vient d'être dit. Et donc voilà, c est, c est, je pense qu'on ne sait pas résister dans notre pays à un débat qui est compliqué. Et voilà, donc euh, moi je ne je sais pas comment ça va se passer la réintégration. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand on travaille au contact des soignants, et c'est le cas, on a parfois des, 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 des patients, mais même parfois des usagers, on a de l'obligation vaccinale. Et si on commence à transiger avec ça, on va peut-être avoir un, un certain nombre de problèmes dans les années à venir. Donc on reste sur la même position. Vous restez avec nous, Mathias Vargon. Merci d'être venu, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed à Abbeville. C'est là où vous où nous emmenez dans la Somme. Un bistrot a ouvert mais dans un EHPAD. Oui et depuis près d'un mois, la vie n'est plus la même dans l'EHPAD Georges Dumont. Grâce à un troquet presque comme tous les autres, on y trouve une carte des boissons, des écrans, des fléchettes, un baby-foot, un baby-foot et même un, un dukebox muni à des plus grands titres des 50 dernières années. Mais surtout on y trouve des clients ravis, heureux de retrouver un vrai lieu de partage et de lien social. Des bistrots du même genre avaient déjà été installés avec succès dans plusieurs services de psychiatrie en France, ce qui a donné à Corinne Sénéchal, la directrice du centre hospitalier d'Abbeville, l'idée de l'adapter à un EHPAD, comme elle l'explique au micro de Louis Amar et d'Anaïs Recouli. Et de retrouver un bar comme on le voit à l'extérieur. Les boissons sont payantes, y compris aussi pour stimuler les fonctions cognitives des résidents, c'est-à-dire on compte, on participe à la vie économique, sociale. Je pense que c'est un moment d'évasion. On est en dehors de sa chambre, on voit des gens passer. Ça a un effet thérapeutique sur ce qu'on fait ici. Et justement d'éviter les syndromes de glissement comme on les a souvent en EHPAD. Les travaux de ce bistrot ont coûté 110 000 euros. Depuis son ouverture, il ne désemplit pas. Les 300 résidents se pressent chaque jour autour de Cédric Pinillo, l'aide-soignant devenu barman. Mais ils ne sont pas les seuls clients, car les familles viennent aussi nombreuses, ah oui. avec parfois, comme dans tous les bistros, des rencontres qui se terminent tard et des difficultés pour mettre les derniers clients dehors. Il y a de la vie dans les EHPAD, il y a de la rigolade, il y a des échanges. Tout le monde peut venir, les familles reviennent, ils bougent des tables, ils s'organisent, ils font des tablés en commun pour venir jouer un petit peu. Effectivement le soir, bah, euh, quand on ferme, parce qu'on on ferme vers 17h30, 18h, allez un petit verre avant qu'on ferme. Le dernier, euh, oui, ça c'est euh, les mots ou les phrases qu'on a souvent. Ouais. Quand les volets sont fermés, bah, ils se réinstallent à une table et ils continuent leur partie de cartes, leur partie de domino ou leur conversation qui n'est pas finie avant d'aller avant manger euh, dans, leur, dans leur service respectif. Et l'EHPAD, Georges Dumont a même son propre business model. Les prix sont très bas et les boissons vendues à prix coûtant. L'EHPAD réalise juste une petite marge sur les sucreries. Mais attention, tous les bénéfices, les bénéfices sont entièrement réinvestis. Le but c'est pas de faire des bénéfices. La légère marche qu'on fait sur ces ventes de boissons ou de friandises, c'est vraiment adapté pour donner aux résidents d'autres activités. Une sortie par exemple, ou achat de matériel, ou améliorer le bistrot. Tout est reversé dans, pour les résidents en fait. Le bistrot est ouvert tous les après-midi de la semaine, mais vous imaginez bien que les résidents réclament désormais l'ouverture tous les matins et surtout le week-end. Une réflexion est en cours pour organiser tout ça. Et avant que vous me posiez la question, je précise toutes les consommations sont sans alcool dans cette, dans cette EHPAD, mais ça suffit pour rendre heureux les résidents. Il a apporté de la joie à cet endroit oui. Ah oui ah oui. On est en famille, on s'amuse bien, on danse, on chante, on retrouve des, des copains, des copines. On rencontre beaucoup de monde. On voit des gens qu'on ne qu connaît pas. On se rencontrait dans le couloir avant de venir là. puis mais Maintenant on est comme si euh, une famille. voilà. Et puis voilà l'été qui arrive, on va aller sur, le, sur la terrasse là-bas. Ils vont saler une voir. terrasse ah, Oui. oui. <laughs> les gens sont plus, plus, plus joyeux, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas comprendre. C'est magique. C'est magique. Santé bonheur. <laughs> Plusieurs directeurs et directrices d'EHPAD du coin de la Somme ont d'ores et déjà appelé la directrice pour demander comment installer une section bistrot dans l'EHPAD. Mathias Vargon. Bah une EHPAD, c'est un, le domicile des gens. Hein. Donc là, c'est un lieu de convivialité, c'est vachement bien. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler, c'est un, un lieu de domicile. C'est le domicile, hein, c'est ouais. pas une institution, hein, c'est un domicile. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu, c'est la polémique du week-end. Qui nous amène sur le bord des terrains de football ce week-end se jouait la 35e journée du championnat de France de Ligue 1 dernier match avant la journée mondiale de lutte contre l'homophobie c'est mercredi le 17 mai. À cette occasion, toutes les équipes portaient un maillot sur lequel le numéro était aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lors du match Toulouse-Nantes, plusieurs joueurs des deux équipes n'ont pas été alignés sur le terrain. Ils refusaient de porter ce maillot et de soutenir de fait la lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBT. Ils ont ainsi mis la ministre des Sports en colère sur le plateau de Stade 2 hier. Amélie Oudéa-Castéra demande aux clubs de sanctionner leurs joueurs. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De, de quoi parle-t-on enfin, C'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que ces tous se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs bah, Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs. Avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Il faut savoir qu'à Toulouse, on a choisi d'écarter les joueurs qui refusaient de porter le maillot arc-en-ciel avant la rencontre. Nantes a suivi la ministre des Sports et devrait sanctionner financièrement l'un de ses joueurs. Le montant de l'amende sera reversé à SOS homophobie. Quand ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux, les joueurs invoquent leurs croyances ou convictions personnelles. La question a été posée aussi à des entraîneurs d'autres clubs hier. Moi, je vous dis, on est. Contre toutes les discriminations, mais je ne suis pas certain euh, qu'on se ce soit nécessaire de, de faire une journée pour, euh, contre l'homophobie. Euh, voilà. Je pense qu'on a tous euh, conscience de ça et que ce n'est pas la peine de vouloir afficher tout le temps. Nous sommes là pour jouer au football et euh, c'est ça qui est le plus important. Quand tu sais que c'est un problème, ça peut être un problème pour les joueurs, fais le pas dans les trois derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Quoi. Cinq joueurs à Toulouse qui ne vont pas jouer parce que ça les, cette problématique les gêne, et ils jouent contre Nantes qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, ce n'est pas équitable. Ce dernier entraîneur, Eric Croix, sur le, le banc de Brest, il affirme euh, ce soir avoir, mal compris, avoir été mal compris. Et pour être honnête, il écrit aussi avoir porté le brassard aux couleurs arc-en-ciel mmh. avec fierté et engagement. Bonsoir, Aurélie Perrot. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir au côté de Jean-Baptiste Marteau. Vous êtes là ce soir pour nous parler des documentaires Homo en France à l'occasion d'une soirée spéciale que propose France 2 demain soir. Juste un mot. Sur ce qui s'est passé ce week-end en marge euh, des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 d'ailleurs, euh, ça veut dire quoi C'est le signe que l'homosexualité c'est toujours un problème en France, que la lutte contre l'homophobie elle n'est pas, pas acceptée de tous et de toutes C'est ça que ça veut dire Je pense qu'il y a des milieux où c'est plus difficile que d'autres encore d'être homosexuel et où l'homosexualité n'est pas très bien acceptée et le football est un des milieux où c'est le plus dur d'être ouvertement gay. On a Wissam Belgassem qui est un des témoins du documentaire qui nous en parle très bien. On se dit quand on voit Eric Roy, effectivement, qu'il y a encore beaucoup de travail, que ça passe par l'éducation. Quand ça vient d'entraîneurs, c'est encore un peu plus grave. Il parle un moment, il dit chacun son opinion. Ce n'est pas une opinion, en fait. L'homophobie, c'est un délit. C'est un an de prison, 45 000 euros d'amende dans la loi. Donc, il faut le rappeler. C'est bien que cette journée existe, mais il y a du travail. Aurélien Perrault, vous avez donc réalisé le documentaire Homo en France, dont on va parler à présent. Film coécrit avec Vincent de Dienne, que l'on retrouve au, au tout début du documentaire, à vélo. En train de nous expliquer ce que sont les mots qui euh, définissent un homosexuel. Écoutez. Et en français, c'est vrai qu'on a pas mal de mots pour le dire. Il y a PD, bien sûr, hein, qu'on peut écrire PD ou PEDE, -E, ça c'est vraiment comme on veut. Il y a tarlouze, il euh, y a Tapette, il y a euh, Tapiole, que j'aime bien moi, mais bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu. Bonjour. Et puis, euh, bien sûr, il y a Pédale. <laughs> Vincent etienne bien sûr, la, la liste, euh, il liste ces mots avec euh, humour. Ça a l'air en fait difficile de trouver des, des mots qui ne soient pas aussi des insultes C'est difficile. En revanche, il en avait beaucoup d'autres d'insultes. Ouais. Ouais. Il, il en avait des tas le et il a choisi vraiment ses préférés. Il dit, celle-là, je l'aime beaucoup, mais en on insulte, il y en a beaucoup. Et oui, c'est vrai qu'il y a peu de mots. C est, c est mais ça, ça dépend, dépend comment c'est dit. Là, il le dit avec humour, il est en plus concerné, donc on sait qu'il n'y a pas d'homophobie. Mais mmh. souvent, quand ces mots-là sont utilisés, particulièrement dans une cour d'école, on voit bien que c'est une insulte. C'est le cas, Jean-Baptiste ah bah oui. Tous ces mots-là. Là. Tous, tous ces, ces mots-là. Mots Et ce qu'on retrouve effectivement comme lien commun dans ce documentaire, en toutes les générations. On a tous des âges différents, les très vieux, les très jeunes, des milieux ruraux, plus urbains. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous vécu la même chose, notamment à l'école. Et l'école, c'est le pire moment. Le collège, le lycée, c'est des moments où vous entendez ces mots, où vous essayez de vous planquer. Parce que le moment où vous êtes repéré, là, c'est le, le défouloir. Et là, tous ces mots-là, vous allez les entendre toute la journée, tous les jours. Et ça, c'est commun à peu près tous les témoignages qu'on retrouve dans le documentaire. Et PD reste l'insulte la plus prononcée dans une cour de récré, aujourd'hui en 2023, ce qui paraît dingue quand même. C'est un film dans lequel euh, des homosexuels vont se réapproprier leur histoire, leur vécu. Euh, personne ne parle euh, à leur place, ils se racontent à la première personne. Et notamment, euh, Jean-Baptiste, le récit du, du coming out, du moment euh, d'en parler à ses parents. C'est le moment le plus euh, difficile, <coughs> qui est très personnel, où chacun le fait de manière différente, au moment où il le sent le plus, en fonction effectivement de son climat familial. Euh, moi, je sais que j'ai attendu longtemps. Euh, à 14 ans, on commence effectivement à avoir de sérieux doutes. Moi, j'ai attendu 21 ans pour le dire. Euh, dans un moment où, effectivement, j'ai choisi de le faire auprès de ma mère, ce qui est généralement le cas qu'on retrouve, effectivement, la, la plupart des gens préfèrent le dire à leur mère qu'à leur père. C'est jamais un moment facile. Moi, je sais qu'elle a eu une réaction très vive euh, en disant euh, Je le savais, en, en, on était dans un restaurant, elle, elle criait presque. Mais il faut comprendre, en fait, ce que c'est à ce moment-là, ce n'est pas, pas du rejet du tout. Si elle se dit, euh, moi j'ai vécu dans un milieu, elle a vécu avec pas mal de copains qui étaient homo, dans un milieu de la mode et tout, elle a vu des gens qui étaient socialement isolés, rejetés, insultés qui euh, n'avait aucun droit. Eux. Et elle a eu peur. Mais comme la plupart des parents, quand on leur fait leur coming out, ils ont peur pour leur gosse. Ils n'ont pas envie. Dis-moi, je ne veux pas que mon fils essaie, ou ma fille ait cette vie-là, cette vie de marginalisé, Et donc, en fait, elle, effectivement, la première euh, réaction, c'est la peur. Et effectivement, après, ça, ça se détend, heureusement. Une, une illustration de cette euh, solitude dans un extrait, simplement. Les récits ne seront pas les mêmes, évidemment, dans le documentaire, selon les générations. Il euh, y a dix ans tout juste, les débats sur le mariage pour tous. Regardez. Moi, à ce moment-là, j'ai euh, 8 ans. Je doute de ma sexualité. Et euh, mon père change directement de chaîne. Je me rappelle qu'il est contre ça, qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas, qu'il qu ne comprend pas pourquoi ça a été accepté. C'était la première fois que j'entendais ma famille parler d'homosexualité. Je ne les avais jamais entendus évoquer le sujet avant. Et le débat s'est conclu en fait sur mon père, qui, une fois que tout le monde s'était calmé, euh, avait dit :« Bon, je touche du bois. » Euh, mais euh, voilà, j'espère vraiment que qu'un de mes enfants ne viendra pas homosexuel parce que je pense que je, pense que je le vivrai mal. C'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois euh, des réflexions dans ma famille qui laissaient sous-entendre que c'était euh, mal vu, que c'était pas bien. Enfin, ce qui fait qu'à chaque fois j'en ai entendu parler, c'était pas de manière positive. Et puis il y a le, le moment où on se découvre euh, soi-même. Il y a un témoignage dans, dans le documentaire euh, Au moins en France, celui de l'ambassadeur français euh, Gérard Haro avec ce qu'on appelle pudiquement les premiers émois de la, de la puberté, c'est-à-dire qu'à 12 ans et demi, 13 ans, vous avez l'impression que ça marche mieux quand vous pensez au premier gymnastique de la classe plutôt que de penser à, à, la, à la cousine. À cette époque, je dirais que j'étais assez finalement le, le, le garçon type, hein, j'allais à la mèche, j'étais enfant de cœur, j'étais premier de la classe. Euh, je portais des chemises Lacoste et d'un seul coup, moi, j'avais ce que Saint-Paul appelle une écharde dans la chair. J'avais ça et j'étais homosexuel et je me sentais totalement désarmé. Aurélie Perrault, vous avez posé la, la même question à tous vos témoins, euh, celle du choix. Ou alors, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu aurais fait euh, oui, parce que pour moi c'est central le choix en fait. Et on l'a mis à 45 minutes au milieu du documentaire parce que je pense que ce que disent souvent les homophobes, c'est ah bah ils ont qu'à faire comme tout le monde, se mettre avec une fille, arrêter la provoque. Et en fait ce n'est pas un choix. Et ça ils nous le disent tous. Alors. Je m'en doutais, mais je pose à, la, à tout le monde la question de façon très naturelle. Et ils me répondent tous, presque mot par mot, la ce, même chose. exactement la même chose. Si j'avais pu, j'aurais été hétérosexuelle. À l'adolescence, je m'endormais le soir et je priais en me disant en Faites que demain je me réveille. D'ailleurs, c'est ce que tu dis mmh. euh, Hétérosexuel. Hétéro, et, et bien sûr, qu'à l'adolescence, s'ils avaient le choix, ils auraient été hétérosexuels. Après. Plus tard, euh, ils sont fiers en général d'être homosexuels, mais à l'adolescence, c'est toujours difficile d'être différent des autres. De toute le même. seul choix qu'on a, c'est de l'assumer ou non. De vivre en se disant, voilà, je, je suis comme ça, donc j'accepte, je vais vivre heureux, vivre, assumer qui je suis. Ou alors, je vis caché, et j'en connais plein. Je connais encore des personnes qui, à 40, 45 ans, 50 ans, euh, se, se cachent, voire effectivement s'inventent une double vie. C'est horrible. Vous imaginez la vie, la vie que c'est Donc le seul choix qu'on a, c'est de l'assumer ou pas. C'est tout. On revient aussi sur euh, l'histoire hein, ces dernières euh, décennies et notamment comment euh, l'homosexualité était traitée dans, dans certains médias. Euh, Jean-Baptiste, vous vous êtes cru malade Je ne sais pas si je suis cru malade. En tout cas, on me l'a répété beaucoup. On me l'a fait comprendre. Euh, dans Des, sa... des adultes milieu, Oui, des adultes, bien sûr. Un hein, milieu religieux, euh, catholique, euh, avec une certaine éducation, une certaine pression euh, familiale, où effectivement, on, on vous éduque, en tout cas, on vous met dans un moule pour vous faire comprendre que <coughs> ces gens-là. Parce qu'effectivement, voilà, ces gens-là, ces mots ne, ne sont pas normaux. Ne sont, voilà. donc, donc oui, il y a un moment où effectivement, on, on doute, on se pose énormément de questions. C'est un moment en plus, alors peut-être qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Internet, c'est différent, mais moi, je n'avais personne à qui en parler. Personne. Donc vous vous retrouvez tout seul face à vos questions d'adolescents, déjà qui sont assez nombreuses. Et là, en plus, se rajoute tout ça. Et donc, effectivement, on en vient à se dire, oui, je, je dois être malade, donc, donc je veux guérir, donc je veux changer. Bon, puis après, on comprend qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on ne change pas. Homo en France, c'est demain à 21h10 sur France 2. C'est réalisé par Aurélia Perrot, coécrit avec Vincent De dienne avec notamment le. Le, le témoignage de notre euh, confrère Jean-Baptiste Marteau qu'on est toujours heureux de recevoir euh, autour de la table de, de C'est à vous. Et puis il y aura un débat sur France 2 juste après et un autre documentaire sur la dépénalisation de l'homosexualité. Ça date seulement de 1982 en France. Merci beaucoup Laurent Berger. J'ai ici votre dédicace. Alors C'est hein. super. <laughs> et <'est> -ce que... <laughs> Malheureusement la réforme des retraites a fait passer du, mé... fait passer du mépris à la colère. Puisse votre action des mois à venir permettre respect et reconnaissance pour les travailleurs. Respectueusement Laurent Berger. Ben c'est parfait. Merci, Mathias Vargon. Vous rien de notre part. À tout de ouais. suite pour la suite de C'est à vous.